peux prendre les oranges qui sont dans le frigo pour les mettre dans le sapin? Pourquoi? Parce que Megan Rondeau l'a fait dans son vlog, puis c'est super beau. Fait que là, on va faire les oranges au four pour faire les guirlandes de Noël. Il est le fan. Ça me ça, je suis bien contente. C'est vraiment beau ce que ça donne. Est-ce que je t'ai déjà dit de pas toucher à mon sapin, Félix? Oui, alors Halloween. Ça tient toujours. Touche pas à mon sapin. Imagine tes chaises recouvertes d'une peinture blanche. Mais regarde, Renaud l'a fait, c'est bien plus beau. Félix, genre, lâche mes enfants tranquilles. Puis lâche Mégane Renault, là. C'est quoi, là, cette obsession-là avec Mégane Renault, là, aujourd'hui? Là? Elle a des beaux cheveux, Mégane Renault. Mais j'ai bien vu ça que t'avais trouvé ça. Si t'avais les mêmes cheveux que Mégane Renault, tu serais bien plus belle. Bon, on va mettre la chaise à sa place. C'était méchant, ça. Donc, ben tranquille, qu'est-ce que tu fais, là? Hé, hey, Marcel! Tu l'as pas trop fort, Alison, là? Elle pense que je t'aurais d'écrire une lettre au Père Noël. Mais... chut. On est où là? On est en train de vivre la nuit la plus spéciale de notre vie. On s'en va déposer une lettre qui ira droit au cœur à sa destinataire. On s'apprête à vivre une nuit fantastique, merveilleuse, pharaonique. Pharaonique. Follow me guys on the road. Non, mais c'est bien. On est chez qui là? Papa était de même chez nous. Tu prends notre place. J'ai sonné! J'ai sonné! Mes cheveux, ça va? Mon haleine? Félix, viens, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? On est chez qui, là? Oui? Mégane Renault? Mégane Renault? Je t'ai écrit une lettre, je me suis révisé deux fois. Félix? Et pour toi, je serais prêt à accoucher d'un calamar. Félix, qu'est-ce qu'on fait chez Mégane Renault? Allez, appelle la police! Elle ne garde pas m'envoyer des photos! Elle m'a reconnu! Tu sais, je t'appelle ça! On s'en va, là! Je peux mourir tranquille! Mourir tranquille! On est sur Mégane Renault, on n'a pas besoin de ça, croyons-t'en! Il est un Marcel! Oh my god! Comment t'as trouvé son adresse? T'as jamais écouté ses stories?